Et salutations à tous! Et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes demoiselles et autres personnes me regardant pour ce nouvel épisode de notre aventure sur Don't Starve Together et le moment qu'on attendait tous d'ouvrir nos cadeaux pour l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Une amulette de vie. Donc ça, c'est un loot qu'on a toujours. Une amulette de vie, un d'or et un papier, un wax paper, donc un papier ciré. On commence par les plus petits. Du charbon, parce qu'on a été un mauvais Wilson. Et dans les gros, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est joli. Alors, une autre life-giving amulette, encore plus d'or, donc on n'aura pas de problème pour revivre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, des écailles. Un œuf de Tollbird, une pierre du désert et un glowcap. Oh, c'est fantastique ça. Alors j'ai pas la peau qui va avec. Mais le glowcap, qu'est-ce que c'est? Bah c'est une lampe. C'est littéralement une lampe. Alors pour ça, il nous faut une shroom screen. Qu'on peut obtenir également grâce à... grâce au cadeau. Mais surtout, le... la recette. Que je ne peux pas fabriquer. Mais qui nous permet en fait de faire une lampe dans laquelle on peut mettre des light bulbs qui vont en fait permettre d'éclairer la base et qui vont pourrir à une vitesse très 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 ralentie, beaucoup plus efficace qu'un frigo, et ce qui permet en fait d'avoir un système d'éclairage assez permanent. Donc vraiment des beaux beaux items de late game, voire very late game. En plus de ça, on a toutes sortes de petites récompenses. Et de l'or, ça, on crache jamais dessus. Ma thermal stone est quasi morte. J'ai plus de silk. Il va falloir que j'aille en rechercher. On va pouvoir laisser une armure ici. Le wax paper, j'en ai pas besoin. Les écailles, je peux rien en faire si ce n'est... peut-être faire le sol. Ouais, je peux faire des scale fornay, du scale de flooring. Ils sont toujours chauds, oui, je n'en doute pas. Mais pour l'instant, on peut rien en faire, il faut tuer un autre boss pour ça. Et ben moi je vais partir à la recherche parce qu'il me faut de la soie. Et pour ça je pense que je vais utiliser notre ami Dirklops. Quand il apparaîtra, j'irai ici. Et je le laisserai faire son taf. Parce qu'il le fait très bien. Et en attendant, moi, je vais aller voir l'état de mes plantations. Il va également falloir que je récolte un peu de Monster Meat. Parce qu'il va falloir que je transforme des cochons en cochons-garous. Dans le but d'avoir à 100% une peau de cochon. L'un des moyens les plus efficaces de farmer des peaux de cochon, parce que bah là j'en ai pas beaucoup. Et là, on voit qu'il a une petite fleur. Et au bout de... je crois qu'ils ont 4 fleurs maximum. Et quand ils ont 4 fleurs et qu'on les fertilise, bah, ça devient un arbre
Là, lui, il en a une autre. Ça deviendra un arbre géant sous lequel on pourra s'abriter. Oui, il va falloir que je me dépêche d'ailleurs pour mes pots de cochon. J'aurais peut-être pas dû la mettre à sécher cette viande de monstre. Tant pis. Est-ce qu'il y a des araignées dans le coin? Même là, il y en a beaucoup trop. Oh. Comment est-ce que je vais faire ça? Comment je vais faire ça alors? Combien j'ai de viande de monstre d'abord? 0, ok, bon départ. Je vais récupérer une thermal stone. Je vais mettre ici. Je vais aller chasser des araignées. Il me reste des paniers. Des paniers, des pièges à lapin. Et moi que j'ai skin en panier. Je ne crois pas, il me reste 2. C'est très peu. C'est très peu, mais ça devrait le faire. Je vais profiter du fait qu'il me reste de la fraîcheur sur ma matte. La petite musique du Conivol. Un jour faudra que je le développe un peu quand même. C'est assez tristoun en ce moment. Ouais, je pourrais réserver l'oasis. Quand j'aurai déplacé toute ma base ici, je pourrais tout détruire et puis réserver le Conivol à l'oasis. Attendez, mais... Non. Hop. Tant pis. Les araignées les plus proches, celle-là, je pense. Ah, parfait. Parfait, un viande de monstre. Et un quart de Monster Meat. Condition que j'arrive à tout récupérer assez rapidement. Dépendant. J'équipe mon armure. Même. Ok, parfait. Pas de viande de monstre. Je pense même avoir le temps d'aller voir un cochon. Si je suis assez rapide.
Alors pourquoi il faut de la viande de monstre? Les cochons, comme vous l'avez vu, toutes les pleines lunes se transforment en cochons-garous. Ils sont pas particulièrement plus dangereux, ils sont même plus faciles à kite. Donc plus faciles à tuer. Je vais même en improviser. Hop, toi t'es mon ami aussi. Et quand on leur donne 4 de viande de monstre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se transforment en cochon-garou. Et là, ils veulent vouloir me taper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Et ça, c'est un problème de résolu. Et vous voyez qu'il m'a donné une viande, enfin 2 de viande et une peau de cochon. Oh, il y a même un trigger ici. Bonjour monsieur. Ouais, les araignées sont sorties, donc elles sont assez faciles à tuer. Parce que quand elles sont sorties, il y a beaucoup plus d'araignées de base et moins d'araignées monstrueuses. Enfin, d'araignées guerrières. Vous pouvez, même si vous mettez suffisamment loin, ce que vous pouvez faire c'est ça. Voilà, vous les faites sortir. Et elles restent sorties en fait. Et comme ça, vous évacuez le nid. Aïe. Voilà. Plein de viande de monstres. Une deuxième peau de cochon. Voilà, toujours une. Pour casser l'ambiance. Alors, elle s'est pas faite. Le piège n'est pas tombé sur elle. Pas grave. Voilà. Là, parfait. Donc là, je peux revenir à la base. J'ai tout ce qu'il me faut. En l'occurrence, tout ce qu'il me faut, c'est faim et peu de points de vie. J'ai pas très bien géré. Mais bon, c'est pas grave. Hop, peu de temps. On va rester dans la lumière. On peut se le permettre, on est assez riche hein, en fait, actuellement. On a plein de ressources. Alors, ça je vais mettre là, ça je vais mettre là. Je vais prendre un bout de bois, même deux. Je vais me faire deux kits de couture. Ça j'en ai pas besoin. Hop, swing, kit de couture. Voilà. On voit ici l'utilité d'avoir des lucioles. Allez. Ah mais. Pas mis dans mon inventaire. Est-ce que je peux le brûler ça? Non. Oui, oui, le monstre de la nuit, oui, oui. Allez. Voilà. Toujours pratique d'avoir des lucioles quand on est un... quand on est pas assez prudent comme moi. On fait de la prévoyance en amont. Et on compte au préalable le fait qu'on soit pas prudent. Comme ça on se fait pas avoir. Hmm.
Je commence à manquer de nourriture, moi, en fait. J'ai arrêté de miner de la glace. Il n'y a plus trop de stock. Hop, un petit mitis tout. Voilà. On a nos kits de couture normalement. En tout cas, on en a un. Ma torche est éteinte pendant que je faisais l'autre. Je crois que c'est pas peur. Hop là. Je peux récupérer mes flints. Le kit de couture là n'a rien à faire dans la cuisine. Hop, hop, hop. Et je retournais voir les cochons parce qu'il m'en faut encore un autre. De cochon-garou. Donc j'en tue encore deux pour faire la troisième selle de cette série. Et bien évidemment, j'arrête pas d'oublier de nourrir comme il faut mon compagnon cochon. J'avais oublié leur pattern de kite. Vous m'excuserez, c'est deux coups. J'en mets mon chapeau. Ah, et vous voyez l'aura de santé mentale qui diminue très rapidement. Non! Ah oui, les cochons, garous priorisent toujours la nourriture posée au sol. C'est d'ailleurs un moyen très efficace de se faire de la manure en début de partie parce que vous pouvez prendre un stack de baies. Voilà. Et en fait, ils vont manger les baies à l'infini. Et pour chaque baie mangée, ils vont vous donner un de manure. Du coup, ça, c'est un moyen de stocker énormément de manure. Vous prenez, voilà, vous baladez, vous prenez toutes les baies que vous voyez. Vous les posez tout au sol, vous donnez 4 de viande de monstre à un cochon, il se transforme en cochon-garou, il va toutes les manger, et il va vous donner autant de manure que de baie. Alors qu'un cochon normal, vous lui donnez une baie, il vous donne un de manure, et après vous pouvez plus lui donner de baie, parce qu'il a plus faim. Les cochons-garous sont des morphales, vous pouvez y aller. On est en hiver, je peux récolter le miel sans problème. Et on voit. Ah non. Hop, hop. En plus, j'en ai profité pour faire de la viande. De la viande. J'ai. Non, c'est la laine de buffalo ici normalement. Ouais. J'ai eu peur pendant un moment. Grâce à Klaus, j'ai de l'or. Merde! Oh! J'ai mis ce clic. Aïe aïe aïe. Je crois que mon Bifalo il vient de perdre 10% de domestication là. Oh l'enfer. Ça va prendre du temps de rattraper ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Aïe 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 aïe. Notez que ça le met pas à zéro, mais je déteste le fait que quand on lit avec la cloche, parce que clic gauche ça fait attaque et pas examiner. Alors que Gloomer ça l'examine. Donc y a pas de problème de misclic avec Gloomer.
On a avec les buffalo. Pour m'excuser, tu manges comme un roi. Aïe aïe aïe, désolé. Désolé mon ami Bifalo. Il y a très peu de chances que j'arrive à le domestiquer complètement avant la fin de l'hiver du coup. Il va falloir terminer la domestication alors qu'il est en rue. Et ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que bah notamment il est en rue, donc de une il a envie de vous tuer, de deux vous pouvez le chevaucher moins longtemps. Et comme il faut le chevaucher pour augmenter la domestication. Est-ce que je peux mettre de la glace dans ma barbe? Oui. De nourriture, on récolte de la glace et après on va essayer de faire des chasses un peu en attendant d'y reclope. De choses à faire à cet temps. La glace que j'avais dans ma barbe. Hop, 4 meatballs, ça devrait suffire. Ma pierre thermale avec le kit de couture, chose très cohérente, vous en conviendrez. Et je pars à l'aventure, je suppose. Ouais, j'ai tout. Où est-ce que j'aurais envie d'aller? Je pense que je vais aller ici parce que j'ai envie de récolter un peu de ressources de base. Donc même si je n'aurai pas de chasse, on va au moins en récolter. Histoire de donner un peu de nourriture à mon buffalo parce que j'ai plus de brindilles en fait. J'ai déjà récolté ça. Alors comme ça, ça allait pratique. Essayer de me guider à la minimap et de m'arrêter avec espace. Et comme c'était déjà récolté, le jeu ne le détectait pas. Enfin, le personnage ne pouvait pas automatiquement aller le récupérer, donc ça marchait pas tout simplement. Ah bah. Il est là! Le Chester Ayboon! Oui!
Mon ami Chester. Me voilà. Génial. Alors, le highbone, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un item qui nous permet d'avoir un coffre sur pattes. Et... arrête de casser ta selle. T'as de la chance que je suis content d'avoir Chester. Alors, qu'est-ce que fait ce coffre sur pattes? Eh bah, il nous suit, en bondissant tout joyeusement. En faisant ce bruit si unique à Chester. Et il nous permet de stocker des items en plus. Donc ça réduit énormément les problèmes de gestion d'inventaire. Qui est assez fantastique. Et si on a une pleine lune, on peut en plus faire d'autres trucs. J'essaierai de vous montrer à la prochaine pleine lune. Parce que Chester, c'est un peu un évoli. Si on lui donne les bons items, il peut évoluer. Et il existe deux types de Chester. Il y a les Chester de glace. Donc ce serait type glace quoi. Si c'était un Pokémon. Il permet de stocker toujours 9 objets dans son inventaire. Mais il agit comme un frigo. Et il permet de ralentir la décomposition des aliments. Et il y a le Chester des ombres, donc type ombre, qui lui peut stocker jusqu'à 12 éléments dans son inventaire, donc 3 de plus. Et on a une chasse. Donc moi je ferai un Chester des ombres, simplement parce que j'aime bien avoir beaucoup de trucs dans mon inventaire. Et transporter beaucoup de trucs avec moi, donc ça me permettrait d'avoir accès à plus de thèmes, sachant que de toute manière la nourriture je la stocke dans ma barbe. Je continue de chevaucher le Bifalo autant que possible. Pour qu'il évolue en rider, faut pas perdre ça de vue. Et là, j'espère avoir de la chance. Elle monte par où cette patte? Elle monte par là. Ah là. Attention, parce que si j'attends trop longtemps. Perdre la trace de la chasse. Et tant pis, c'est un coéléphant tout simple. Hop. Ah, le fameux coéléphant d'hiver. Permet de faire la Puffy Vest. Ouais, la Puffy Vest. Qui est à 240 d'insulation. Donc l'un des meilleurs items d'insulation. Autant que la veste d'hibernation. La veste d'hibernation, elle au moins, elle permet de réduire le drain de nourriture. Contrairement à la Puffy Vest. Pardon. Moi du coup je vais revenir à la base et je vais aller faire à manger pour mon Bifalo. C'est moi ça. Ah oui, la fois où je suis mort avec le à cause du tentacule. Bon, je le laisse, ça fait des bons souvenirs.
Ouais, alimente le feu. Et là, quels sont nos objectifs? Bah, c'est toujours de faire des chasses. C'est également d'aller récolter des figues. J'ai... Ouais, 3 arbres, je pense que c'est suffisant pour ma base. Je vais pas forcément aller en faire plus parce que ça va prendre du temps. Après, peut-être dans un futur lointain. Mais pour l'instant, je vais me contenter de ce que j'ai. Donc je vais faire mon plan initial qui était de faire des bateaux tout simple. Et d'essayer de me faire un pont en fait en bateau. Alors adieu mon stock de bois par contre. Driftwood, non, mais il devrait y en avoir sur les îles, donc ce sera pas un problème. De quoi est-ce que j'aurais pas besoin? Bon, je pense que ma pioche. Ah, mais non, mais suis-je bête? Ah, réveille-toi. Où es-tu? Maintenant que j'ai mon ami Chester, l'inventaire est tout de suite beaucoup moins un problème. Cependant, j'ai quand même de la nourriture. J'ai une thermal stone bien chaude. Une anure. Je vais prendre une pelle. Ce que je voulais faire avant. Et je pense que je peux partir à l'aventure. Ouais. C'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. On va voir combien... Combien de bateaux il nous faudrait en fait pour faire un ponton. Et au pire, bah, faire le début à la rame. Et au moins essayer d'avoir un accès rapide aux figues. Il faudra probablement que je fasse pas mal d'allers-retours. J'ai envie de profiter aussi du fait que j'ai toujours ma hambat. Bah, le nombre d'araignées. Parce que oui, les Spider Queen font spawn des araignées. Et quand la Spider Queen devient se transforme en nid d'araignée niveau 1, les araignées qui sont spawn à cause d'elle restent. Donc vous vous retrouvez avec des araignées bah, qui vont dormir en fait un jour. Et parce qu'elles n'ont pas de nid où elles peuvent revenir. Alors avec une rame normale ça prend pas mal de temps, mais avec les rames en driftwood ça va relativement vite de juste ramer. Et quand on a le bon rythme. Je vais essayer de choper ce driftwood là. Pile au moment où ma rame se pète. Si ça c'est pas fantastique.
Et non, il n'y a pas d'autres îles. Généralement, quand on voit ces îles-là, en fait, il y en a plusieurs. Et je pense que ça doit faire dans ce sens-là. Ou comme ça, je ne sais pas. Mais j'avais l'espoir qu'en fait, il y ait une île là, une île là, une île là, une île là, et que je puisse passer de l'une à l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Et mon buffalo a encore jerté sa selle. Comme on voit, je suis à moitié fou. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Récupérerai tout le... pas le soir, mais en mon retour. Que c'est là le soir. M'excuse pour cette vue assez désagréable car je suis complètement lunaire. J'attends mon Chester. Chester. Il doit être bloqué, oui. Parce qu'il doit passer sur le bateau avec moi. Et en sortir avec moi. Voilà, ils sont bloqués en essayant de passer par là et pas en essayant de passer par le bateau. Un peu de figue. Ok, ils attaquent Chester, ça va. Parce que Chester régénère ses points de vie très très rapidement en fait. Moi, ça va pas du tout. J'ai détruit le nid. Notez que les nuits respawn, donc ça sert à rien d'essayer de tous les détruire pour être tranquille pendant longtemps. Ils vont réapparaître. Assez dommage, je le sais. Ah, j'aurais dû venir avec une... J'aurais dû venir pour pêcher les insectes. On va choper plein. Voilà, tapez Chester, me tapez pas moi. Ah, faut que j'arrête. J'appuie sur espace, ça récupère automatiquement l'item le plus proche, et ici c'est la lampe. C'est assez problématique quand on est dans le noir total. Ah.
Voilà. Peu de paix. Hop, là-bas, il y a pas mal de figues. Deux figues, c'est un tree jam. Il m'en faudra beaucoup des tree jam. Essayer d'en choper le plus possible. J'espère n'avoir qu'à faire un seul aller-retour pour récupérer le reste. Même si je pense que je vais devoir en faire un autre. Quoique. Grascator. Alors il fuit, mais un peu comme les buffalo. En termes de taille et de morphologie, je dirais. Probablement des cousins éloignés ou quelque chose. Bah moi qui me plaignais de pas avoir assez de nourriture. Je suis blindé en viande de monstre. Hop, j'ai récupéré une 14e. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, good enough. Je vais pas tout récupérer, ça va prendre trop de temps. En plus, il faut que je trouve la bonne. Et voilà, on est déjà à 43 minutes de vidéo. Donc, je vous dis merci de m'avoir regardé. J'espère que vous avez profité. Oh, une fille de plus. Et qu'on pourra se retrouver demain pour un prochain épisode. À plus !